Aujourd'hui, on parle de raccourcis et on va mettre des applications dans le doc. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre par raccourci clavier avec un Mac, que ce soit MacBook, iMac ou autre, mettre par raccourci clavier donc une application que vous avez dans votre dossier application dans le doc. Ceci par deux façons différentes. Soit vous allez pouvoir le faire via votre souris, soit vous allez pouvoir le faire par raccourci clavier, ce qui est bien plus efficace, bien plus rapide. Cette technique est très simple et peut vous apporter plus de rapidité, car si vous utilisez souvent une application, si elle se trouve dans votre doc, vous allez vraiment la récupérer très rapidement. Pour ceci, ça va être très simple. On va se rendre dans le dossier application. Alors comme vous pouvez voir ici, on va passer en revue mon doc et vous allez voir que l'application que je vais mettre par la suite n'existe pas dans mon doc. Ici, Safari, Launchpad, Mail, Contact, Notes, Rappel, Plan, Photo, Message, FaceTime, iTunes, iBooks, App Store, Préférences Système, ScreenFlow, Adobe Photoshop CC 2017. Adobe Photoshop CC 2017 copie. FinReader séparateur. Téléchargement. Corbeille. Comme vous avez pu entendre, toutes mes applications dans mon doc. Maintenant, on va passer à l'ajout d'applications dans le doc. Pour ceci, on va se rendre dans le dossier applications avec un raccourci qui est commande maj A. A pour application. Application, fenêtre, présentation par liste, vous êtes actuellement sur tableau. Nous voici donc dans le dossier application. Dropbox application, iMovie application, iTunes application, ScreenFlow application. Voilà, donc toutes nos applications se trouvent ici. Par exemple, je n'avais pas l'application iMovie dans mon doc. iTunes iMovie application, iMovie application. Première technique, on peut cliquer sur cette application. Gardez le clic enfoncé de notre souris. Et vous voyez ici, on ne lâche jamais son clic de souris. On le garde enfoncé tant qu'on ne veut pas faire un déposé. Si on descend, tout en bas, ici, vous pouvez voir que les icônes du doc s'écartent. iMovie. Pour laisser place. Vous êtes actuellement sur une image. À iMovie qui vient d'être déposé dans le doc. Alors ceci est une technique de glisser-déposer avec la souris. Mais on a plus simple. On peut le faire avec un raccourci clavier qui nécessite aucun déplacement avec la souris. On va supprimer iMovie. Doc. Vous êtes actuellement dans Biblio. Option. Supprimer du doc. On va donc supprimer iMovie du doc. C'est fait. iMovie est parti du doc. Maintenant, tout simplement, iMovie application. iMovie application, on va le mettre par raccourci clavier directement dans notre doc. Pour cela, on va appuyer sur plusieurs touches à la fois. Le raccourci est un peu spécial, mais super efficace. On va donc appuyer sur la touche commande, CMD, contrôle, CTRL. Au-dessus de contrôle, la touche MAJ, donc CTRL plus MAJ, on a donc trois touches enfoncées. On les garde enfoncées et on va tout simplement, en toute légèreté, appuyer sur la touche T et on va entendre ce qui va se passer. Ajouter au doc. C'est terminé. Ici, on va dans le doc avec donc VOD et on écoute. iMovie. Et iMovie se trouve bien dans notre doc. On va donc supprimer ce raccourci que l'on vient de mettre dans notre doc avec le raccourci CTRL OPTION MAJ, toujours trois touches d'enfoncer, et on va tapoter la touche M. iMovie. Vous êtes actuellement dans menu Option. On se positionne sur Option, on fait un petit coup de flèche droite. Supprimer du doc. Et supprimer du doc. Vous êtes actuellement sur Finder. Alors, comme vous avez vu, ça peut être très rapide. Par exemple, ces deux applications, Vidéocast
on va le sélectionner, on va appuyer sur notre touche Maj, on va descendre. Prismo application. Prismo a été aussi sélectionné. Deux applications sélectionnées en même temps. On va faire notre raccourci, commande, contrôle, Maj, et on va appuyer sur T. Ajouter au doc. Et on vient instantanément d'ajouter deux applications en même temps au doc. Puisque on les a sélectionnées, on vient de les mettre. On va vérifier. Vidéocast. La première application Vidéocast que l'on avait sélectionnée au préalable. Prismo. La deuxième application, instantanément, elles se sont retrouvées dans le doc. Voilà donc les raccourcis clavier pour ajouter ou supprimer une application dans votre doc. Par raccourci clavier, très simple, commande, contrôle, Maj, et on tapote la touche T, bien sympathique. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. À vous abonner à la chaîne. On est plus de 1700. Je remercie d'ailleurs tous les abonnés qui sont présents, qui me suivent, qui m'encouragent. Je vous remercie beaucoup et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !